Bonsoir. Alors nous allons commencer une rencontre sur le thème de la mélancolie des fins du monde avec nos deux invités. Alors d'abord Frédéric Julien, qui est maître de conférence à l'UHESS, anthropologue, ethnologue, primatologue. Vous étiez responsable aussi du programme interdisciplinaire éducation, nature et culture à évolution à l'UHESS. Vous êtes aussi rédacteur en chef d'une revue depuis 2007 qui s'appelle Technique et Culture, dont un dernier numéro vient à peine de sortir sur le thème du waza. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est que le waza. À ma gauche, Jérémy Brugidou, vous êtes cinéaste, chercheur également, mais alors pas en anthropologie exactement, hein, c'est ça ? Non, en art. En art. Et vous venez de publier un premier roman aux éditions de l'Ogre qui s'intitule « Ici, la Béringie ». La Béringie, c'est une terre immergée au détroit de Bering qui se trouve entre deux continents, donc très rapidement entre la Russie et les États-Unis, ce qui en ce moment peut faire écho. Et vous imaginez dans cette région une histoire à trois voies. À trois époques, une première il y a des milliers d'années, une femme chez les Zé qu'on suit, qui est une indigène en fait, et qui est au bord de la fin d'un monde, on peut dire. Une deuxième époque qui est après la Deuxième Guerre mondiale, là c'est un géologue, Hushkins, qui lui cherche des traces de ce continent disparu, la Béringie. Et une troisième époque qui est dans notre futur en 2040 où là c'est un personnage d'une femme, Jeanne, qui est archéologue et qui travaille sur un chantier et on est à une époque où le réchauffement climatique a eu des effets dévastateurs et le permafrost fond et on récupère les ossements d'animaux préhistoriques. Et donc ce roman qui est à la fois complexe, brasse plein de choses, l'écologie, mais aussi la question des territoires, la question des colonisations, la question du futur. Donc ma première question, c'est pourquoi avoir choisi la Béringie ? Alors la Béringie, ça vient d'il y a beaucoup, enfin il y a pas mal d'années, où j'avais entendu une émission de radio qui m'avait pas mal passionné sur les passages de population entre les deux continents. Et autant j'imaginais assez bien le passage de Bering, j'avais bien cette image de population qui était passée un peu à la queue leu-leu, comme ça, d'un continent à un autre, allons-y gaiement, passons le pont de Bering. Et en fait, dans cette émission, Jean-Claude Amezen, pour le nommer, expliquait que des chercheurs et des chercheuses avaient pu montrer que... ces populations-là avaient peuplé un continent qui était avant entre les deux continents, donc c'était là la Béringie qu'on a appelée plus tard. Il avait peuplé ça pendant au moins 10 000 ans. Et donc je m'étais dit, waouh, c'est drôle qu'aujourd'hui, de notre point de vue, ce moment de 10 000 ans est pour nous un passage, alors que nous, on vit une civilisation soi-disant suprême et absolue qui a peut-être à peine 5 000 ans. Et qu'on considère comme la panacée de tous les mondes possibles. Et donc j'avais envie de mettre en lien et en inversion cette histoire de monde et de passage. Et donc la Béringie, pour moi, c'était le nœud de qu'est-ce qu'un passage, qu'est-ce qu'un monde, qu'est-ce qu'une fin, qu'est-ce qu'un début. Et donc j'avais envie de penser, enfin en tout cas ça avait déclenché mon imaginaire sur comment est-on capable de penser la fin du monde et comment est-on capable de penser d'autres mondes et d'imaginer d'autres mondes possibles. Alors, est-ce que c'est vraiment un roman
sur la fin du monde. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est, avec un mot qui est très à la mode, une dystopie, ce qui voudrait dire que vous décrivez une fin du monde, ce qui est peut-être le cas il y a plusieurs milliers d'années avec votre personnage de chez Lézé, qui se trouve confrontée, enfin elle sent ou elle voit des traces dans la nature de quelque chose qui va arriver, qui est la submersion en fait. Est-ce que c'est vraiment un roman de fin du monde en réalité? Ben, en fait c'est à la fois un roman de fin, mais en fait c'est pas vraiment un roman de fin du monde, parce que c'est plutôt qu'est-on capable de sentir des transformations en cours, et comment est-ce qu'on les nomme et comment est-ce qu'on les imagine, et est-ce que ces transformations on les imagine comme des fins, ou est-ce qu'on est capable avec une sensibilité plus fine de les penser comme des passages. Et en fait, j'avais vraiment cette idée de me dire, alors il y a à la fois tous ces personnages-là qui font des inventaires, et pour moi l'inventaire est une forme de signature d'une fin, et donc quand on est dans l'imaginaire de l'inventaire, eh ben, on s'imagine que les choses se terminent, et qu'après c'est la fin de tout, mais qu'on archive pour sauver, pour préserver. Et en même temps, à quel moment est-ce que l'inventaire devient inventif, et à quel moment est-ce qu'il y a de l'invention qui se fait? Et c'est à partir de la sensibilité, de la sensorialité, que j'avais envie de repérer des zones d'émergence de l'invention. Et donc chaque personnage a charge et a une mission que de transformer les inventaires en invention. Et c'est un peu ça le défi de chacun et de chacune. Et peut-être de créer un parc d'attractions. Mais ça, non, c'est une des possibilités qui a cours, même actuellement. C'était aussi un événement du réel qui m'a intéressé, c'est que en Sibérie actuellement, en Sibérie extrême orientale, il y a un parc qui est en train de se créer, qui s'appelle le Pléistocène Park. Et dans ce parc, on est en train de, en fait, le projet du savant qui s'appelle Zimov, du savant russe qui a créé ce parc, c'est de lutter contre le réchauffement climatique en faisant revenir des grands herbivores dans les plaines pour tasser la neige et pour préserver le permafrost. Et donc sa grande idée, c'est qu'au Pléistocène, il y avait des grands mammifères comme les mammouths qui arpentaient ces plaines et qui tassaient le sol, qui faisait que ça conservait la température basse des sols, et qu'actuellement, en absence de ces herbivores, en fait, la neige s'accumule et en fait crée de la chaleur, en fait, contrairement au permafrost tassé qui reste froid. Et donc lui, son idée, c'est de refaire venir des herbivores, ce qu'il fait actuellement, et à terme, l'imaginaire qu'il y a derrière, c'est de ressusciter des mammouths à partir d'ADN récupéré dans des morceaux de cadavres récupérés du sol, et de cloner en fait un mammouth et de refaire des mammouths dans le Pléistocène Park. Et moi, j'ai imaginé un parc un peu dystopique, on va dire, qui est inspiré de mes recherches de terrain dans des parcs de conservation actuellement en Afrique du Sud, par exemple, où la préservation et la conservation des espèces est assez problématique quand on le pense à un niveau plus général de relations entre le colonialisme, le néocolonialisme, la conservation des espèces et la religion. Et il y avait beaucoup de zones d'ombre, en fait, là où ce que j'ai pu expérimenter en Afrique du Sud, sur la préservation des espèces, au nom de quoi, au nom de qui et pourquoi. Et en fait, il n'y a pas de réponse vraiment très claire par rapport à ça. Et donc, j'ai imaginé un Pléistocène Park vraiment qui va au bout de cette logique et qui devient un parc d'attractions pour riches, avec des animaux revenus de... Qui vont chasser les aurochs. Qui vont chasser les aurochs, qui vont chasser le dent de sabre, au détriment des populations autochtones. Et donc, c'était aussi l'occasion pour moi de poser cette question des communautés locales et des relations entre pouvoir étatique, qui soit pour la préservation d'espèces au nom d'une sorte de conservation de la nature un peu étrange, avec une notion de nature aussi qui n'est pas évidente, et aussi au nom de l'extraction, au nom de l'énergie, au nom des grands projets nationaux, et avec sur place des populations autochtones qui sont déplacées, qui sont réduites dans des zones extrêmement pauvres en biodiversité, et réduite culturellement aussi à des formes de stéréotypes. Et donc voilà, c'était tous ces enjeux-là de relations de pouvoir que j'avais envie d'explorer.
Alors votre parc, entre guillemets, enfin, ce qui se passe dans le futur en 2040 dans votre roman, c'est même un trafic carrément de restes de, ouais. d'animaux préhistoriques et, ben, en fait, qui, sont clonés et qui sont ces... Ouais. Ben, en fait, il y a aussi en ce moment une sorte de ruée vers l'ivoire parce que la défense de mammouth n'est pas légiférée, en fait, vu que ce n'est pas un animal qui existe. Donc les défenses de mammouth ne sont pas protégées. Donc en fait, il y a possibilité d'avoir de l'ivoire assez facilement. Et donc il y a aussi des chasseurs locaux qui en profitent pour récupérer des défenses d'ivoire et qui pourraient leur en vouloir, en fait. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir à la fois comment des populations locales peuvent profiter de cette aubaine-là et comment en fait les grands musées et les grands labos de recherche profitent aussi et ne sont pas très différents, en fait, de cette forme de trafic. Et donc c'est un trafic généralisé que j'ai décrit, qui est à la fois un trafic institutionnalisé pour certains, pénalisé pour d'autres, mais au nom de quoi et selon quelles limites, c'est flou, quoi. Je voulais venir à vous, Frédéric Julien. Vous avez travaillé, vous, sur les sociétés de primates actuelles. Et au début, c'était pour interpréter... Enfin, racontez-nous un peu, parce que je vais pas être très précise là-dessus. Oui, effectivement, je suis anthropologue préhistorien et éthologue. J'ai une triple formation, et cette triple formation, elle vient des sujets qui m'intéressaient. Et là, vous interrogez sur une fin du monde, et pour moi, c'était aussi aller explorer une fin du monde, la fin de sociétés animales, et là, en l'occurrence, des chimpanzés. J'ai travaillé en Afrique de l'Ouest sur des chimpanzés sauvages, non pas des animaux captifs. Ensuite, j'ai travaillé en jardin zoologique. Et ce que vous évoquez dans votre fiction, ça a plein de résonance aussi sur les études qu'on a menées ensuite sur les visiteurs dans les jardins zoologiques en France, notamment à Beauval, qu'on voit à la télé, et qui prône, je dirais, des démarches vertueuses de réintroduction d'animaux en milieu naturel. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, et c'est quelque chose qui est non tous les 20 heures, mais qui est une vraie catastrophe pour l'image que nous donnons du monde animal. Mais ça, c'est une autre question. Effectivement, j'ai fait de l'anthropologie de non-humains et de l'archéologie de non-humains. J'ai travaillé sur les chimpanzés dans les forêts ivoiriennes, aussi de Guinée, de Ghana, du Ghana et aussi en Afrique de l'Est, mais principalement en Afrique de l'Ouest, à la recherche, je dirais, de cultures animales, parce qu'on peut parler de traditions pour ces animaux qui transmettent leur savoir, leurs connaissances, leurs formes, modèles sociaux, je pourrais dire, et qui sont en voie de disparition parce que leur habitat est complètement détruit, comme peut l'être aussi d'autres espaces comme ceux de la Béringie. Donc l'idée, c'était d'aller explorer ça et de mener une archéologie des non-humains. D'archiver une forme de fin du monde, finalement. D'archiver une fin du monde et puis essayer de comprendre, je dirais, toutes les interactions, comme Jérémy le fait dans son livre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, non pas les animaux étudiés par les scientifiques dans des laboratoires en milieu naturel, mais étudier des animaux en interaction avec des chasseurs, étudier des animaux qui sont des proies aussi, qui sont consommés, avec lesquels on vit. Et ce qui était assez étonnant, c'est que les découvertes ont amené à des résultats complètement contradictoires avec ce à quoi on pensait. C'est-à-dire que les endroits les plus protégés de la planète, le parc de Thaï en Côte d'Ivoire ou celui de la Comoé, sont des endroits qui se vident des animaux parce qu'on les a dessinés comme des parcs. Et j'ai trouvé des comportements et des densités animales tout à fait originales et les plus hautes d'Afrique de l'Ouest dans des endroits qui étaient des endroits non protégés, mais qui étaient gérés par les chasseurs locaux, par les villageois, dans certaines aires d'Afrique de l'Ouest, en Guinée notamment, où on a trouvé, à l'endroit où on chasse ces animaux, aussi une gestion intelligente de la nature. Donc c'est ça aussi que révèlent, je dirais, les études de terrain, et qui rencontrent aussi la fiction que vous avez imaginée.
Mais pour agir à la question, première question que vous lui posiez, après je répondrai s'il y a d'autres, la Béringie, c'est une chose, mais je dirais si on se projette dans le Pléistocène, enfin les périodes préhistoriques d'il y a 30 000, 50 000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, il faut savoir qu'autour de nous, en Europe, on était sous l'Inland 6. Donc la calotte glaciaire descendait jusque là, sur la Hollande, et que le channel n'existait pas. Donc les populations de chasseurs-cueilleurs nomades de la préhistoire, qui est une préhistoire récente, elles étaient sous l'eau, elles sont sous l'eau aujourd'hui, mais elles couvraient tout le plateau continental. Donc, et en Méditerranée, même chose. La grotte Kosker qu'on va inaugurer bientôt, elle n'était pas sous l'eau. Et il y a des choses de ce type-là qui sont intéressantes. Il y a le Doggerland, notamment, oui, en mer du Nord. Bien sûr. Il y avait un roman, oui, du même ordre. Et voilà. Bon, mais ce que j'ai bien aimé dans votre roman et qui m'a aussi fait penser à mes débuts en préhistoire, c'est aussi le point de vue animal, avec les cétacés notamment. Là, vous parlez des bélugas, mais je me souviens d'un site archéologique qui est à Menton, qui est à 81 mètres au-dessus de la mer, qui est une petite grotte dans laquelle on a trouvé des baleines, des requins et d'autres animaux marins, qui étaient chassés par les hommes préhistoriques il y a 1 million d'années. Donc il y a 1 million d'années sur la côte d'Azur, qui aujourd'hui est en hauteur parce qu'il y a des phénomènes tectoniques qui font que les niveaux qui étaient les plages anciennes sont aujourd'hui à 100 mètres de haut, ou voire plus à certains endroits, étaient, je dirais, c'était des gens, des populations humaines qui aussi étaient des charognards ou des chasseurs, qui chassaient le phoque, qui chassaient les cétacés sur les plages. Donc on a aussi, par la préhistoire, ici en France, le même type de témoignage que vous imaginez pour la Béringie. Oui, oui, c'est vrai que j'aimais bien tous ces rapports d'hybridation entre, donc j'ai parlé des passages et des fins, mais il y avait aussi l'espace terrestre et l'espace maritime, et donc c'est vrai qu'il y a tous ces univers qui se mélangent dans mon roman, et c'est vrai qu'il y a des espaces anciennement terrestres qui sont maritimes, des espaces maritimes qu'on essaye de reconquérir pour le terrestre avec l'extraction du minage profond, avec le fait d'aller chercher du géologique sous la mer. Donc j'avais à cœur, ouais, de travailler ces inversions, et j'étais vraiment très inspiré par ces idées qu'en effet, il y a peut-être pas si longtemps, il pouvait y avoir des relations qu'aujourd'hui on n'imagine pas et qui pour nous aujourd'hui sont de l'ordre du surnaturel, du fantastique, de la science-fiction, mais qui il n'y a pas si longtemps pouvaient être une évidence en fait. Quand vous parlez de relations, c'est-à-dire entre humains et non humains, et justement ce que Frédéric Julien disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on a imaginé une notion de nature comme séparée de l'humain et qui, pour protéger les animaux, il faut éloigner les humains. C'est ce qui se passe beaucoup dans les parcs de conservation, et c'est un peu une absurdité. Et cette idée-là, moi, elle me pose beaucoup de questions, et du coup, j'avais envie d'imaginer quelle serait une relation enrichissante et épanouissante entre humains et non-humains, qui ne soit pas de l'ordre de la protection et de la conservation, c'est-à-dire de l'isolement. Et donc, moi, je pars des relations, et tout le roman tente de poser la question de qu'est-ce qu'une relation, et à quel moment est-ce qu'on la touche, est-ce qu'on la sent, est-ce qu'elle est présente, quoi. Parce que votre roman, effectivement, on a l'impression que c'est un espèce de continuum, en fait, sur toute cette période-là, entre une époque où il y avait effectivement une relation entre humain et non-humain qui était évidente et qui s'est rompue à un moment donné. C'est ça que vous vouliez, ouais, mettre en œuvre. Ben, c'est vrai qu'il y a, donc trois personnages et donc trois, à chaque fois les personnages sont séparés par des chapitres différents, et ces chapitres-là s'entrecroisent, et donc il y a à la fois séparation et en même temps ces chapitres-là se continuent sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'une narration peut se poursuivre chez un autre personnage par rapport à d'autres questions, mais elle se poursuit.
Et en fait, il y a à la fois un univers qui peut être, par exemple, très techniciste et très catégoriel et séparateur et objectivant de certains types de rapports scientifiques au monde, comme peut l'incarner un Hushkins dans le roman, qui sont, en forme d'inversion avec un rapport au monde qui est beaucoup plus dans un continuum non individualisé. Et c'était aussi pour moi un enjeu que d'imaginer une narration où la narratrice, en l'occurrence, ne peut pas se penser comme un individu. Et si elle ne peut pas se penser comme un individu, comment est-ce qu'on dit jeu ? Et quelle est la place de ce jeu ? D'où les différentes formes d'adresse que j'utilise dans le roman. Oui, là c'est le tu, en fait. Là c'est le tu, et c'est, pour moi c'était important... Pourquoi le tu ? C'est comme si elle se parlait à elle-même ? Soit c'est comme elle se parlait à elle-même, soit c'est pour marquer l'élément relationnel, justement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'histoire sans relation. Et que là, cette histoire-là, je ne pouvais pas l'imaginer sans me situer moi par rapport à cette histoire-là. Donc soit c'est moi qui lui parle, soit c'est un autre narrateur, soit c'est elle qui se parle à elle-même, soit c'est elle qui parle à d'autres, soit c'est d'autres qui lui parlent. Mais en fait, on ne sait pas trop. Et chacun des personnages se pose aussi la question de qui est ce jeu. Et j'aime bien cette idée que de prolonger l'adage cartésien de dire je pense donc je suis. Et là, ce serait plutôt de dire si je pense, c'est parce que je ne suis pas je ne suis pas uniquement je, et que je suis multiple, quoi. Et donc, c'est la possibilité de notre pensée, la possibilité que nous, on ait une forme d'intelligence telle qu'on l'a aujourd'hui et qu'on imagine exceptionnelle, elle nous provient d'une dette absolue. Et irréconciliable avec le monde humain qui nous a en fait fourni tous ces éléments pour pouvoir penser ainsi, quoi. Et j'aime bien replacer l'humain dans un continuum beaucoup plus long et de repenser une phylogenèse, donc une histoire de l'évolution, non pas simplement des formes organiques, mais des formes immatérielles de la sensibilité, de l'imaginaire, de la pensée. Et c'est pour ça que l'anthropologie évolutionnaire, comme Frédéric Julien l'étudie, je trouve ça intéressant de se demander en fait à quel moment est-ce que apparaît la pensée soi-disant exceptionnelle de l'humain, et d'où elle vient, et à qui la doit-on. Et je pense qu'il y a beaucoup de non-humains à qui on la doit et qui continuent encore aujourd'hui de nous inspirer sans qu'on en ait forcément conscience. Ouais, c'est là-dessus, qu'est-ce que vous diriez justement sur ce qu'on voit dans le livre qui est très très fort au début, ce rapport chez les aisés qui fait partie d'un collectif, en fait, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu à part entière, ce dialogue qu'elle noue de manière sensitive avec les animaux, avec la nature, enfin, et avec le sentiment de quelque chose qui va arriver. Et derrière, les personnages que vous avez, donc des personnages contemporains, enfin pas contemporains, mais deuxième, enfin le géologue qui effectivement est un scientifique, en même temps très inspiré par un amour disparu qui était voilà, et cette archéologue contemporaine où là on a l'impression que on se repose la question du rapport avec les non-humains, en fait. Moi j'ai bien aimé le roman pour cette raison-là. Moi, si je me suis engagé en préhistoire à travailler sur les origines de l'homme, c'est parce qu'il m'intéressait, c'était leurs émotions, c'était leur capacité à penser, c'était des formes très lointaines de nous. Et si je me suis déplacé du côté des chimpanzés pour comprendre les premiers hommes, quand on parle de Lucie, c'est un petit machin qui fait un mètre de haut, qui est un singe. Et elle vivait il y a 3 500 000 ans, elle fabriquait des outils déjà, mais elle vivait aussi dans les arbres. Et elle avait une capacité cérébrale inférieure à celle d'un chimpanzé actuel. Donc c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Pour moi, c'est une alien. Et Lucie, c'était ça l'enjeu de... Pour moi, ça a été ça un des principaux enjeux de ma recherche. Travailler sur les origines de la culture et travailler sur l'altérité des hommes préhistoriques les plus anciens. Quelque chose que les archéologues ne savent pas faire. Parce que les archéologues, ils sont formés aux sciences naturalistes. Ils sont formés à des sciences exactes en grande partie. Enfin, en France, on a une archéologie qui est, je dirais, humaniste, antiquisante, etc. Puis une archéologie préhistorique qui, elle, vient des sciences de la nature, pour grande partie. Et en fait, on n'a pas su traiter ce genre de questions.
parce qu'il ne nous reste que des choses sèches, hein, des ossements, des pierres, etc. Mais on s'est empêché de créer les modèles pour comprendre ces d'autres formes d'animalité ou d'humanité passées, et par la sensibilité, par les sensations, etc. Et donc, vous, je dirais, et moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de l'aborder via les méthodes de l'anthropologie. Et l'anthropologie, c'est l'étude des autres, c'est l'étude de l'altérité qui est posée comme un objet de connaissance, et avec des méthodes pour les analyser, méthodes comparatives pour les analyser. Et quand on se projette dans le passé, qu'on dépasse sapiens sapiens, donc des gens qui ont le même cerveau que nous et à peu près les mêmes capacités physiques, on est face à un problème, un vrai problème d'interprétation. Alors vous rentrez pas dans le temps lointain. Votre roman, il évoque que des sapiens. Mais pour moi, je suis allé de l'autre côté. Je suis allé vers des non-humains très, très lointains. Et se pose ce problème des limites. Ils ne pensent pas comme nous. On ne peut pas penser comme un lion. On ne peut pas penser comme une girafe, comme une chauve-souris, pour prendre des exemples célèbres. Mais on peut essayer de réduire la distance ou la transposer autrement et chercher d'autres formes de représentation et d'écriture. Et de mise en récit. Alors vous avez opté pour la fiction. Nous, du côté des sciences humaines, on essaie aussi de compenser par d'autres formes d'écriture ce genre de manque, parce que comment comprendre des humains, comment ils évoluent il y a 2 millions ou 3 millions d'années sans penser aux émotions, sans penser aux affects, sans penser à l'intelligence sociale, à l'empathie, à toutes sortes de choses qui sont essentielles pour vivre ensemble. Et voilà, on est très peu à aborder ces questions-là comme ça, parce que globalement, la science, elle est métrique, elle est objectivante, et elle est très difficile à faire pour ce genre de choses. Bon, j'ai répondu un peu à côté. Ouais, non, mais en fait, ça me fait penser que j'ai beaucoup été intrigué aussi par... Alors non seulement l'histoire, elle est celle des vainqueurs, mais elle est aussi celle de la culture matérielle dure, c'est-à-dire que nous reste que ce qui a pu perdurer dans le temps, donc les cailloux, les choses comme ça. Mais toute la culture matérielle non dure, c'est-à-dire organique et qui peut se défaire dans le temps, elle nous est perdue, et du coup on n'a plus ces traces-là de qu'est-ce qui se faisait vraiment autre que les pointes de flèches et les cailloux et les haches et les couteaux. Et en fait, il y a toute une culture aussi du panier, une culture de la récolte, une culture de la cueillette, qui est une culture qui, en fait, n'a pas laissé de traces dures et d'objets, en fait. Et de même la sensorialité et la sensibilité qu'on ne peut pas forcément mesurer. Mais par contre, on peut l'approcher dans les effets qu'elle a produits chez d'autres formes vivantes. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que dans un écosystème les formes vivantes se répondent les unes les autres, et chacune est le moule et le creux d'une autre forme de vie. Il y a l'histoire célèbre de l'orchidée et de l'abeille, où en fait on peut retrouver chez une orchidée rare et presque en état de disparition la trace d'une abeille préhistorique disparue telle que l'orchidée l'a interprétée. Et donc en fait, la seule trace qu'on a de cette abeille disparue, c'est l'interprétation de l'orchidée de cette abeille qu'elle a faite pour attirer les mâles, pour la polliniser. Donc en fait, on retrouve dans les formes de sensibles du vivant d'aujourd'hui des traces de formes du vivant anciennes qui ont disparu, mais qui ont fait le moule, en fait, qui ont laissé des empreintes sensorielles, en fait, d'apparence, de et d'affect, puisqu'il s'agit là de désirer une abeille pour venir polliniser une orchidée, pour disséminer du pollen. Et donc toutes ces relations, ces interactions entre des formes vivantes et d'une culture, en fait, à la fois non matérielle et matérielle qui se détruit, j'avais envie de le remettre, de le réactualiser. Est-ce que c'est ça que vous appelez la biomythologie? Oui, un peu, oui. Que vous employez dans le livre, ouais. Parce que y a comme quand même une enquête dans le livre, en fait, entre le début et la fin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est laissé par ces indigènes, ces autochtones, il y a
plus de 3 000 années, qui va perdurer en fait, et qui est cette trace dont vous parlez, qui est un peu une espèce de chambre d'écho, quoi. Oui, c'est ça. Qui parlerait aux gens dans le futur, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis c'était aussi une manière de mettre en perspective le discours scientifique comme aussi une forme de mythologie, une forme de narration. Et en fait, de ne pas forcément hiérarchiser les formes de narration et de me dire que y avait peut-être dans les formes de narration qu'on appelle mythologiques des formes d'évidence au réel qui sont extrêmement intéressantes. Et de se dire que, en fait, dans certains récits où des humains parlent à des animaux, c'est pas forcément du mythologique comme on l'entend aujourd'hui, mais c'était peut-être des formes de relations qui avaient une vraie consistance. Et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains collectifs animistes aujourd'hui, que ce soit en Sibérie ou en Amazonie, où c'est une pertinence extrêmement importante pour la chasse, et qu'il faut être capable d'être en communication avec des formes de vie autres qu'humaines pour survivre. Et que, en fait, comment se penser comme sujet dans une écologie de sujets, où chaque sujet a sa place au même titre qu'un autre, qu'il n'y a pas de hiérarchie des sujets dans ces formes de collectifs, et comment est-ce qu'on peut consommer d'autres sujets ? Et donc se pose toute une politique de la prédation, toute une politique de comment en fait des sujets s'entreconsomment. Et pour pouvoir penser ça, il faut être capable de penser une société de sujets qui ne soit pas que humain, pour qu'ensuite on laisse de la place à, il y a eu de la consommation, mais il y a de la réciprocité, il y a de la responsabilité. Et c'est peut-être aussi ce que vous décriviez tout à l'heure en disant qu'il y a des formes de gestion de la nature qui sont peut-être plus pérennes dans des formes de collectifs où en fait il y a un désengagement de la nature, mais un engagement extrêmement profond, qui est un engagement existentiel, de comment perdurer comme sujet humain dans une écologie de sujets où en fait je dépends d'autres sujets pour survivre et pour continuer à vivre, et donc bon, je dois faire en sorte que ces sujets-là aussi aient une place, quoi. Et donc quelle est la place de l'humain là-dedans, et comment se replace l'humain constamment là-dedans, à la fois pour s'individualiser et en même temps pour se penser en relation avec d'autres qui doivent aussi s'individualiser pour que l'écosystème perdure. Je voulais revenir sur quelque chose que vous venez de dire. Vous avez dit dans le roman, vous traitez de sujets, vous choisissez le roman et aussi le cinéma en fait pour parler de certaines choses. Et donc, est-ce que c'est aujourd'hui, pour parler de la science finalement, est-ce que de la science ou d'anthropologie, ou est-ce que la littérature peut être un moyen de faire passer une forme d'imaginaire qui parle de ces sujets-là? Et je poserai la question après aussi. C'est la question que je me pose. Et j'avais envie, ça faisait un certain temps que je m'intéressais à l'anthropologie et à beaucoup de concepts en anthropologie et de travaux de personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut faire de l'anthropologie avec les rêves, avec l'imaginaire, avec les émotions, avec l'affect, et comment est-ce qu'on peut faire de la science intime, comment est-ce qu'on peut remettre de l'intimité dans la connaissance. Et le cinéma fait partie de cette approche, la littérature aussi. Et la littérature me permettait vraiment de mettre en acte et aussi de mettre en de mettre à l'épreuve la question des perspectives, parce que on parle beaucoup en anthropologie du perspectivisme et du fait de se dire je parlais tout à l'heure d'une écologie de sujets, ça présuppose que chaque forme vivante a une perspective sur le monde, a une perspective en fait qui est un monde, et donc chaque perspective décrit un monde, et on vit dans un enchevêtrement de mondes, et pas juste un monde avec différentes savoirs sur le monde, mais il y a vraiment différents mondes qui s'interpénètrent, qui se chevauchent. Et donc ces perspectives là on peut les penser, on peut les conceptualiser, elles sont très concrètes pour certaines collectifs de chasseurs-cueilleurs, parce que ça fait partie d'une pragmatique de la vie quotidienne, mais nous en Occident on est seulement capable de le conceptualiser, et je me disais que là la littérature pouvait être une manière de l'incarner très concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce que d'approcher. En effet, Frédéric parlait de, on peut approcher des perspectives animales sans jamais l'incarner complètement, en effet, mais moi j'avais envie de toucher à cette proximité intime malgré la distance, et pour moi la littérature permettait de faire coexister ces mondes.
Je crois que vous aussi, vous travaillez depuis 8 ans avec le MUCEM et vous créez, conceptualisez des expositions qui sont aussi une autre manière finalement de parler des sujets qui nous concernent aujourd'hui, peut-être d'une manière plus ouverte ou différente, alternative disons. Oui. Ouais. est-ce que c'est comme Jérémy Brugidou, est-ce que c'est aussi une manière de lui passe par la littérature? Est-ce que vous aussi c'est une autre manière peut-être de montrer ce que la science peut? Oui. Alors avec la limite que j'ai, c'est-à-dire que moi je suis dans un laboratoire du CNRS, je suis à l'école des hautes études en sciences sociales où on fait science. Où on est payé pour faire de la recherche et de faire de la science et pas forcément faire des romans, malheureusement. Voilà, il faudrait que je me déplace. Mais oui, c'est pour moi le double enjeu. Et effectivement, cette question de comment on écrit autrement, effectivement, on fait des rencontres depuis 8 ans au MUCEM qui s'appelle Une autre façon de raconter, où on essaie d'imaginer des narrations alternatives, mais tout en restant dans un cadre scientifique. C'est-à-dire que... Juste un rétro. J'ai dirigé pendant X années, pendant 7 ans, une équipe interdisciplinaire sur un même projet qui était de comprendre les questions de limite de l'humain dans les jardins zoologiques et dans les forêts en Afrique. Et en fait, on était avec plein de disciplines différentes. Et au final, on s'est appris mutuellement, on a appris une langue commune. Et en fait, on a fini par faire la même chose. Il y avait une sociologue, il y avait un psychologue, il y avait un archéologue, etc. Et tout compte fait, à la fin, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se caricature dans nos propres points de vue, dans nos propres disciplines, pour avoir un regard multifacetté sur le monde, et donc un regard plus riche. Donc on s'est un peu caricaturé pour faire ça. Et aujourd'hui, dans l'écriture, qui n'est pas uniquement la restitution, mais qui est aussi l'écriture du terrain, comment on écrit sur le terrain, comment on décrit le terrain, on est aussi, on ne sait pas tout faire. Moi, je sais observer, analyser, compter, faire des stats, faire des traitements, et tenter de restituer par l'écrit ou par l'image des choses. Mais je travaille avec des dessinateurs de bande dessinée. Je travaille avec des cinéastes, je travaille avec des commissaires d'exposition. Et c'est par ce partenariat-là qu'on arrive à construire, je dirais, d'autres formes d'écriture. Mais voilà, les projets qu'on essaie de développer sont collectifs. Alors, effectivement, il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités individuelles de monter des choses. Et là, ça marche aussi, c'est plus facile à élaborer. Mais quand on est à plusieurs... par exemple, ce qu'on expose dans le livre Waza, qui vient de sortir, sur l'art ineffable de l'apprentissage, c'est un travail qui a été mené en collaboration avec des dessinateurs de BD japonais, où on est allé enquêter ensemble sur des savoir-faire immatériels. En fait, ils sont aussi matériels. On a travaillé sur l'art du papier au Japon, sur comment on fabrique du papier, comment on fabrique les meilleurs papiers du monde à partir des essences de mûrier. Et donc de la pulpe de mûrier, de la pulpe d'hibiscus, de l'eau et des cadres en bambou. Et on produit les meilleurs papiers de la planète, et les plus durables, je dirais, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils durent parfois sur des centaines d'années sans se dégrader par leur technique de fabrication. Et là, cette enquête-là, c'est une enquête ethnographique, on l'a menée en parallèle avec un dessinateur de BD japonais qui est venu sur le terrain décrire à sa façon ce qui se passait, ses chaînes opératoires et ses savoirs d'objets qui vont disparaître. Et on les a restitués aussi dans une exposition. Malheureusement, l'exposition qu'on a montée l'an dernier est tombée en plein Covid et elle a été vue par 20 personnes. C'est mon grand regret. Bon, on va essayer de la remonter. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment des projets de co-écriture où on apprend nos limites et nos forces.
Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que du coup ça... Ben, ça produit que, je dirais, l'intelligence du graphique du dessinateur de manga ou de l'artiste va pas être la même que la mienne qui va analyser les mouvements, les gestuels des artisans, pas la même que ma collègue qui va faire le traitement des discours, du lexique des artisans, etc., etc. Donc c'est on produit un savoir augmenté. Et si j'ai choisi la bande dessinée, c'est plutôt que le roman, c'est parce que pour moi c'est un art populaire et que l'anthropologie c'est un art populaire aussi. C'est un savoir qui est là pour refléter les savoirs populaires. Je dirais un peu à l'inverse de tout ce que toute l'école française, je dirais intellectuelle française, prône. C'est-à-dire que non, c'est pas un art littéraire uniquement, l'anthropologie. C'est qui écrit de façon ex cathedra sur les populations. Non, c'est un art qu'il faut re-rendre aux gens chez lesquels on fait les emprunts, et puis aussi qu'on essaie de transmettre le plus largement possible. Et pour moi, la bande dessinée et je dirais les qualités narratives de la bande dessinée qui empruntent au cinéma, qui empruntent au roman, qui empruntent à la science, permettent de raconter autrement, de façon très, très, très concentrée, très, 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 très fine, des situations de terrain, notamment sur les gestes, qu'on ne peut pas décrire autrement. Et bon, voilà. Vous avez évoqué la revue effectivement qui vient de paraître, c'est ça, sur la dernière livraison de Technique et Culture. Vous en avez juste dit deux mots, mais donc qui est sur le Waza. Oui, il est sur les tables à l'entrée. Qu'est-ce que le Waza en fait? Le Waza, parce que c'est intéressant. C'est un concept japonais qui est un mot qui dit le savoir-faire, qui dit le savoir-faire incarné dans le corps. Tout autant que l'intellectuel, tout autant que celui de, je dirais, des choses un peu indicibles. Donc il y a un mot dans le lexique japonais pour décrire les savoir-faire de haut vol des artisans. Et il décrit aussi les habitudes sociales, l'habitus, je dirais, genré japonais, tout autant que les arts, tout autant que le savoir-faire manuel le plus quotidien. Et il traverse les classes, à la différence de l'habitus de Bourdieu. Donc on est dans une autre vision, plus large, vernaculaire, locale, dans un lexique local. C'est pour ça qu'on l'a emprunté. Et mes collègues japonais, psychologues, primatologues, etc., s'en sont emparés et ont donné, ont analysé leur situation de terrain avec ce concept-là. Contre toute attente, ça a été assez productif. Et justement, ça a permis de montrer que, par exemple, les distinctions qu'on faisait entre patrimoine immatériel et patrimoine matériel, dans la transmission, qui est un grand classement de l'UNESCO, ne fonctionnaient pas bien. Et qu'il fallait d'autres mots aussi pour décrire ce qu'on patrimonialise, ce qu'on transmet, ce qu'on retransmet dans différentes cultures. Où on reconstruit. Chez nous, on a un goût pour l'authentique qui est très important. On sait très bien qu'au Japon, par exemple, les bâtiments, les monuments, les savoirs se reconstruisent périodiquement selon des calendriers très, très brefs. Parfois, le sanctuaire d'Izé, il est reconstruit tous les 20 ans, tous les 25 ans, si je ne me trompe pas. Donc, à l'identique, depuis un millier d'années, on a quelque chose de cet ordre-là. Donc, la question du savoir, elle prime sur la question du monument, sur la question des objets de la culture matérielle. Et ça, c'est des leçons pour nous qui sont formidables. Nous qui sommes autant attachés aux objets dans notre civilisation, on croule sous les objets, on meurt des objets, on sature d'objets, notre planète s'effondre de notre consumérisme. Donc là, on a un autre modèle de pensée et de pratique. Bon, on s'éloigne des fins du monde, mais c'est une fin du monde aussi. Je trouve que ça se rapproche de ce qu'écrit aussi Jerry Rouillet-Douf, hein, je ne sais pas ce que vous dites sur l'immatériel enfin, qui se transmet et qui c'est une forme de transmission immatérielle qu'il y a dans votre livre en fait. Oui, et puis c'est vrai que je me questionne beaucoup sur ces questions du monument et des savoirs populaires, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on monumentalise, qu'est-ce qu'on patrimonialise et qu'est-ce qui a vraiment encore une pertinence dans les usages et
Et je trouve que pour le coup, la littérature, dans la question des narrations et des points d'énonciation, d'où je parle, d'où la personne parle-t-elle, ce point d'ancrage, de situation, de situer les savoirs, je trouve que c'est une forme de démonumentalisation en quelque sorte, c'est-à-dire de réancrer les productions matérielles, immatérielles dans des formes d'usage. Et moi, la question du geste, elle m'intéresse beaucoup, et la question de l'évolution des gestes et de la permanence des gestes, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos gestes qui ne sont pas de nous, et qui est à l'origine de nos gestes, quoi. Et enfin, voilà, à quel moment est-ce que j'incarne autre chose que juste mon individualité psychologique qui a une intention qui mène à une action, mais qu'est-ce qui perdure en moi d'autres gestes, d'autres imaginaires, d'autres formes d'émotions, d'affects qui pourraient n'être pas humains ou qui pourraient venir de, voilà, qui pourraient traverser les catégories habituelles. Donc ouais, moi, cette question-là, elle est importante. Et ouais, mais je sais pas si ça serait possible en fait d'imaginer des unités de recherche avec des transdisciplinaires comme ça. Ouais. Avec on a pas mal travaillé là-dessus, à Marseille notamment. Reprenant un des concepts fondateurs de l'anthropologie, Marcel Mauss, qui en 1934 fait sa grande communication à la Société de psychologie à Paris, il développe une vision alternative de la culture en parlant des techniques du corps. La culture, c'était dans les mots, c'était dans les objets, c'était. Et lui dit, nos façons de nous mouvoir, d'uriner, de manger, de nous soigner, tous les gestes quotidiens sont des éléments de culture. Et donc on a repris autour de... Cette prescience de Marcel Mauss quand il formule cette vision-là, cet objectif de la recherche anthropologique, en fait, ne va pas vraiment se marcher tout au cours du XXe siècle. Et on le redécouvre, je dirais, avec la redécouverte du corps. Et ces dernières décennies où on réinvestit ces questions. Et moi, je les ai abordées de façon, je dirais, tangentielle, parce que j'ai développé le concept de technique du corps pour des non-humains. Parce que les chimpanzés sont des animaux qui ont des traditions, qui transmettent et qui instruisent leur savoir à des enfants, donc il y a des actions traditionnelles efficaces sur la matière, donc des vraies techniques chez ces animaux-là, qui sont partagés socialement par un groupe, comme on peut partager socialement nos façons de faire, la notion technique du corps, elle est bien. Donc on peut chercher chez des non-humains et recréer une phylogénie des techniques du corps, mais de façon indirecte, parce qu'on n'a pas de continuité. Les chimpanzés d'aujourd'hui, ce n'est pas les hommes préhistoriques du passé. Il y a discontinuité, il y a une altérité. Mais on peut travailler sur ce que j'appelle des atomes élémentaires de comportement, des gestes. Et sur ces gestes, on peut essayer de comprendre s'ils ont les mêmes connotations sociales dans une communauté ou dans une autre, etc. Essayer de faire une anthropologie comparative de cela et de voir dans une perspective évolutive. Mais bon, ça c'est un enjeu, c'est pas encore en place. Mais on peut travailler à ça. Et on peut le voir dans le temps long, sans se défaire des objets. C'est-à-dire les techniques du corps, c'est pas, on a les techniques du corps d'un côté et puis on a les objets de l'autre. Non, nos différentes techniques du corps nous permettent de nous servir d'un couteau d'une façon ou d'une autre, d'un instrument d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est des éléments qu'on peut objectivement travailler. Et est-ce que les rêves font partie des techniques du corps ? Si elles sont conscientisées, discutées, pourquoi pas ? C'est-à-dire que la partie performative du moment où on va raconter un rêve ne va pas se jouer de la même façon dans une culture bambara ou dans une culture aïnou ou dans une culture française. Donc la façon de raconter le rêve
et les formes de rêve vont peut-être être mises en culture de façon différente. Mais après il y a les questions de forme. Par exemple, moi, une époque de ma vie, je rêvais en cinéma. Je me souvenais de mes rêves et je me souvenais que ce qui se passait, c'était séquencé comme dans un film, avec une narration filmique, avec un cadre, etc. Pourquoi je rêve comme ça ? Est-ce que nous rêvons tous comme ça ? Je ne sais pas. C'est des questions que j'aimerais bien partager. Et puis après, c'est passé à d'autres moments. Bon, après, c'est des associations libres, des images, etc. Mais il y a un moment, il y a eu ça. Alors pourquoi ? J'allais trop au cinéma, peut-être trop, je saturais. Mais il y a d'autres moments, ben, par exemple, après avoir passé des années dans la forêt en Côte d'Ivoire, où j'avais que les bruits des animaux, etc., quand je suis rentré à Paris, que je me suis retrouvé ici, la nuit, je me réveillais, le jour, j'entendais résonner. Donc là, ça passait par les sons. Mes rêves, ils étaient emplis de mon expérience de la forêt. Je pense que les gens qui travaillent dans des univers très différents ont aussi rêve dans d'autres milieux. Donc c'est les milieux du rêve qu'il faudrait décrire, parce que les techniques du corps, elles ne prennent de sens que quand elles sont dans des environnements sociaux, des représentations et autres. Donc effectivement, ça pourrait être un objet de recherche. On travaille sur les rêves des chimpanzés, où il y a des choses là-dessus ou... Alors, de façon très médicale, oui. Il y a eu dans les années 60 un chercheur en neurologie qui s'appelle Michel Jouvet, j'allais dire Louis Jouvet, non, c'était Michel Jouvet, qui a fait des EEG de toutes sortes d'animaux. Et il avait analysé comment on rêve, à quelle fréquence et dans le sommeil paradoxal, comment les animaux bougeaient, comment les chats bougeaient, notamment dans leurs rêves. Et il imaginait comment ils chassaient ou ils imaginaient des proies, etc. Et ces théories, fin des années 60, début des années 70, était autour de la récapitulation, ce moment où on pensait ontogénèse, phylogénèse. Donc autrement dit, le développement du petit enfant et récapitule l'ensemble de l'évolution de l'humanité, une thèse desquelles, et en fait qui était reprise à la fin des années 60, début des années 70. Et il faisait un lien entre le rêve servait à récapituler, et en fait c'était une espèce d'horloge qui remettait à zéro le fonctionnement et qui permettait d'apprendre. Depuis, on s'est rendu compte, effectivement, avec les recherches en neurologie, que toutes ces questions-là sont aussi intimement liées avec les questions d'apprentissage. Et on le voit aujourd'hui avec beaucoup d'études qui sont faites sur les enfants, les écrans, etc. Mais à proprement parler, je n'ai pas d'études actuelles sur comment rêvent les animaux. Mais c'est vrai que dans le roman, c'était assez important, la question du rêve, pour moi. À la fois, il y a beaucoup d'images qui étaient inspirées par des rêves, et en même temps, parce que dans mes autres travaux, en parallèle aussi, avec un ami, Fabien Clouette, qui est chercheur aussi, on a beaucoup travaillé sur les rêves, notamment des personnes qui travaillent en milieu sous-marin, et comment est-ce que, les mécaniques de travail, mais aussi l'environnement prolongé dans des situations d'altération des corps et physiologiques, comment ça transformait, comment ça altérait les rêves, mais aussi comment les rêves avaient une efficace sur la vie éveillée, et inspirée aussi par ce qui se passe dans d'autres collectifs ou non occidentaux, où le rêve a une véritable importance d'interprétation pour comprendre l'avenir, en fait, et pas seulement pour récapituler des événements psychologiques, mais c'était le moment où des formes immatérielles pouvaient indiquer des choses et pouvaient désigner qu'est-ce qui allait se passer pour la prochaine chasse. Et donc, moi, j'étais vraiment intéressé de m'interroger sur ces dimensions invisibles. Et de même qu'on parlait tout à l'heure des cultures matérielles, immatérielles, et des cultures matérielles, on va dire, molles, c'est-à-dire qui se détruisent dans le temps, mais aussi donc, toutes les dimensions invisibles, comment leur donner une forme de concrétisation, une forme d'incarnation. Et le roman tente sans cesse, et les personnages sont sans cesse en prise avec ce défi, d'incarner leurs rêves et de les faire exister d'une manière ou d'une autre, des rêves qui parfois ne leur appartiennent pas. Et peut-être que c'est le rêve d'un personnage
qui va venir hanter un autre personnage. Donc c'est moi je suis intéressé par cette circulation, cette perméabilité des affects et des imaginaires. Il y a peut-être des questions dans la salle, parce que je crois qu'on... Je m'interroge sur justement votre positionnement. On sent quelque chose d'assez en filigrane, pas forcément affronté directement, mais posé dessous comme quelque chose qui vient questionner des agissements humains contemporains. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est présent dans votre démarche d'écriture? C'est quelque chose que vous avez voulu faire un parallèle avec, on va dire, les travers et la situation actuelle. Et pour qu'est-ce qu'il en est de parce que c'est extrêmement intéressant justement de en fait, de percevoir ces choses, mais pas forcément de façon directe. On sent que c'est présent, mais c'est pas décrit. Et en fait, on sent que c'est quelque chose qui a imprégné peut-être cette écriture. Alors, je me posais la question. Quand vous dites agissement humain, vous voulez dire agissement occidentaux, industrialisés, contemporains ? Je pense en fait à tout ce qui se passe derrière nous, on est là maintenant, et en fait il s'est passé depuis des milliers d'années des choses qui ont fait qu'actuellement on est à cet endroit là, on sait pourquoi, c'est extrêmement logique. Alors justement je sentais qu'il y avait aussi dans cette volonté et dans cette envie d'aller très loin dans l'histoire, explorer ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a travaillé et comment? Ben alors, oui, en fait, je vais pas très loin non plus, parce que en fait, finalement, il y a entre 20 000, moins 15 000, donc c'est pas si loin. C'est vraiment du préhistorique très récent. C'est la fin du Pléistocène. C'est vraiment assez récent. Et il n'y a pas non plus une volonté téléologique de se dire bon ben en fait, le présent, c'est ça, il s'explique par cette continuité-là. En revanche, il y a cette question de me dire, est-on, à quel point est-on éloigné de ça ou pas, quoi? Et à quel point est-ce que cette distance-là, elle est résolue, elle est linéaire, elle est évidente, et finalement, on peut la mesurer par des séquences de temps et se dire, ben, on est à 15 000 ans de cet individu. Ou est-ce que en fait cet individu-là est très 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 proche de nous, mais a peut-être une dimension qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans la vie quotidienne aujourd'hui, maintenant, chez nous en Occident ici. Et donc c'était plutôt des questions de survivance. Qu'est-ce qui survit, qu'est-ce qui hante dans nos existences contemporaines? Et dans le roman aussi, je parle d'existence d'un futur proche, où disons que j'ai extrapolé certaines tendances actuelles qui effraie beaucoup, qui inquiète beaucoup d'entre nous, inspiré aussi par l'écoféminisme, par le décolonialisme, par tous ces enjeux-là critiques, de se poser la question de, en fait, d'où viennent nos idées, comment pense-t-on, d'où viennent nos catégories, quelles sont les relations de pouvoir qui sont vraiment actuellement en jeu aujourd'hui, et avec qui, et moi là-dedans, comment je me positionne. Et de se resituer dans ce temps long, et de créer d'autres proximités. De pas forcément, parce que les personnages dans le roman ne sont pas forcément très proches de leurs contemporains. Et il y a une non-contemporanéité constante des personnages qui finalement sont beaucoup moins proches de leurs contemporains qui ne le sont des autres personnages d'une autre époque, qui finalement leur sont beaucoup plus proches par d'autres éléments. Et donc c'est peut-être... encore cette idée de délinéariser le temps et de comme la personnage qui s'appelle Jeanne, qui est un peu la narratrice, on va dire, principale, centrale du roman, elle est archéologue,
et elle se confronte à des artefacts qui appartiennent à un temps d'avant l'histoire écrite. Et donc elle est confrontée à la question de comment est-ce qu'on interprète ces artefacts, comment on interprète ces gestes, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment est-on capable d'imaginer ce qui a pu en être fait à une époque ancienne où on n'a aucune trace à part ces éléments-là. Et donc, comme cet archéologue-là qui est confronté à un architant impensable, comment est-ce que nous, on est capable de penser notre contemporanéité quand on se situe dans un temps long, non linéaire, mais hérité de toute une sorte, tout un ensemble de moments de massacre, de moments de destruction, mais en même temps de création, de relations. Et comment est-ce qu'on habite aujourd'hui avec ces massacres aussi ? Enfin, peut-être que c'était très présent, si on revient à la mélancolie des fins de monde. Disons qu'il y avait en ligne de fond cette question de comment vivre avec les massacres d'avant, quoi. Comment vivre aujourd'hui avec les destructions qui ont eu lieu, comment vivre aujourd'hui avec l'anéantissement de populations entières, avec des, qui ne sont pas seulement des populations matérielles, mais qui sont aussi tout un savoir sur le monde, toute une sensibilité au monde, et peut-être des portes ouvertes sur d'autres dimensions du monde. Cette destruction-là, pas forcément irrémédiable, parce qu'il reste encore des héritages de ça, il reste encore des gens qui continuent à faire évoluer cette pensée-là, qui continuent à la transformer. Et heureusement, elle est vivante, elle est dynamique, elle se transforme, elle n'est pas figée. Mais comment vivre avec, avec ce deuil ? Et en fait, c'est aussi des personnages qui ont chacun des deuils. Et en fait, il y avait cette question de... oui, en fait, comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui, les gestes d'aujourd'hui, comment peut-être les transformer, mais comment aussi vivre avec le deuil constant de la destruction. Et dans cette destruction-là, dans ces cendres, comment créer quelque chose, comment créer un peu de beauté, comment trouver un endroit où on peut faire pousser quelque chose. Et voilà, donc, il y avait tous ces éléments-là qui étaient présents qui sont cruciaux pour moi d'une manière à la fois en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, en tant que cinéaste et en tant qu'individu affecté par toutes ces choses, quoi. Okay, bah merci à vous deux. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'il y a l'impression qu'il y a un concert qui se prépare. Il y a les livres de Jérémy Brugedeau et la revue de Frédéric Choulian sont en vente à la sortie. Merci. Si certains sont intéressés par la revue, j'ai repéré que la rédactrice en chef de la revue est dans la salle, donc au cas où elle pourrait répondre à des questions. Voilà. Merci. Ouais.